catastrophique. Dans la première ZR, on a fait 4 km et on est tombé en panne. Un bouton qui alimente les pompes à essence qui a cassé. Et donc on a perdu 49 minutes. Vous reviendrez plus fort demain ? Ah, toujours plus fort. Alors, est-ce que les objectifs ont été atteints lors de cette première journée ? Pas tout à fait, parce que d'habitude, j'occupe la place d'à côté. Moi. Donc pour moi, c'est un petit peu du nouveau. Donc ça a été bien par moments et beaucoup moins bien par d'autres. Du coup, grande nouveauté ? On s'est bien amusé, on n'a rien cassé et on est là. Voilà. Rendez-vous demain alors ? Exactement. Merci beaucoup. Alors Nathalie, cette journée, notamment la première ZR, comment s'est-elle passée ? Oh, c'était extraordinaire, c'était une reprise après 12 ans d'arrêt. C'était absolument génial. Coup contente ? Oh, ravie, absolument ravie. Viennent d'arriver à Brive-les-Bains après une journée ensoleillée, sportive. Pour certains, ça a été génial, mais pour d'autres, des petits soucis techniques ont commencé à apparaître. On se retrouve dès demain matin pour attaquer le jour numéro 2 en direction de l'Alpe d'Huez.